Bonjour et bienvenue à cette toute première émission de Quinoa Rivière-du-Loup. Bonjour à vous, quinoïtes, et bienvenue à cette toute nouvelle série Quino qui s'appelle Quinoa, où on vous cuisine des recettes, mais aussi des invités surprises. Nous avons invité Jonathan Ima. Alors bonjour Jonathan, bonjour. Ça va bien? Oui, vous? Ben oui, tu peux dire tu. Alors Jonathan, je t'ai invité cette semaine à venir faire le pastel de choclo. Oh, ça sent tellement bon, là, juste avoir les ingrédients ici, là, il y a plein de belles affaires. Oui, il y en a beaucoup, hein? Oui. Mm. Et qu'est-ce qu'on met là-dedans? Ça ressemble à quoi? C'est comme un pâté chinois qui se prend pour un autre? Oui, mais pas de patates. Hein? Alors, Jonathan, pour cette recette-là, qui est un genre de pâté chinois, la première des choses, on a besoin de bœuf haché. On a besoin de lanières de poulet, d'oignons, d'olives noires, kalamata, celle que vous préférez, de raisins, rouge ou vert. Okay. On a besoin d'un petit peu d'ail. Après ça, on rentre peut-être les œufs. Oui. On a besoin des œufs cuits durs, de lait. Comme on parle de pâté chinois, on a besoin aussi de maïs. Donc, c'est les grands ingrédients de base. Il y a quand même beaucoup plus d'ingrédients que le pâté chinois régulier québécois. Là. C'est ça. Mais c'est une alternative que j'ai, va nous donner un. J'ai hâte de goûter. Il y a plein d'épices qui sentent très bon. Aussi. Bien, justement, parlant d'épices, on retrouve. J'ai apporté une épice du Chili qui est le merquén. Ça sent très, très bon. Là. Oui, et c'est. Pour vous qui écoutez, vous ne sentez pas, mais c'est. Ça sent comme le bacon fumé. C'est ça, c'est une épice qui est fumée et très piquante. Donc, on y va quand même avec parcimonie. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le remplacer par du paprika. C'est bon. Puis, vous ajoutez un petit peu de poudre de chili. D'accord. Question de mettre du piment. Du cumin. Le cumin, ça aussi, c'est une autre épice qui sent très bon. Du sel, du poivre et on a besoin d'un peu de farine. Excellent. Puis, dans les petits ajouts intéressants, le basilic frais, ciselé, et de la cassonade. OK, pour donner un petit goût sucré. Parce qu'on finit avec la cassonade comme une crème brûlée. Oh, wow! Alors, on casse la c'est croûte. C'est fancy! question de faciliter notre vie. J'ai déjà préparé les ingrédients. Avec la magie du quinoa. Exactement! Donc, Magiquino, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on commence par faire revenir des oignons. On va mettre ça ici. Là, ici, on fait revenir des oignons, notre ail. Une fois que c'est fait, on les met de côté. On rajoute notre bœuf haché. On épice, cumin, sel, poivre. Et le merquén, si tu aimes ça piquant, tu peux déjà commencer à en mettre. Attends. Moi, je le priorise avec le poulet. OK. Donc, ça, c'est comme la base, là, la première partie. Donc, on commence par mettre un fond, parce que là, faut pas t'oublier qu'on rajoute du poulet, puis des raisins, des œufs. Donc, on en met une couche dans le fond. Donc, il est important de partir le four à broil, donc à 500. Parfait. Sur la grille du haut. Donc, prochaine étape, si j'ai bien compris, c'est le poulet. Tu mets du poulet. Donc, si tu trouves que tes morceaux sont trop gros, tu peux les effilocher pour les mettre dedans. Sinon, voilà, moi je me suis lavé les mains. Ça sent très, très, très bon. On se met 2-3 morceaux de poulet qui font comme des petites surprises quand c'est le parce que tu ne les vois pas. Non, c'est ça. Mais tu finis par les découvrir. Ensuite, des olives. Oui. Les raisins, on les met entiers aussi. D'accord. Parce que sinon, ils deviennent comme de la purée. OK. Alors, en conservant les... on peut en mettre dans un autre bol. Et la dernière partie, qui est on appelle ça un appareil, c'est du lait qu'on fait chauffer avec de la farine pour épaissir un peu. OK.
Si tu as des problèmes de mottons dans ta vie, tu peux aussi faire revenir des oignons. Tu mets ta farine avec les oignons, tu rajoutes le lait. Dans ce moment-là, ça se défait tout seul. Tu rajoutes 2 cannes de maïs en crème. Tu peux prendre ton blé d'Inde aussi, là, que tu viens de faire cuire. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de gaspillage. Et tu mets tout ça sur le poêle, ça met un peu à ébullition. Et c'est là qu'une machine comme ça est très utile. Donc, et la dernière touche, c'est de mélanger le basilic à l'intérieur. Donc, on va se prendre un lourd ustensile. Plein de belles couleurs là-dedans. C'est beau. Puis ça sent bon en plus. Oui, donc le basilic, dépendamment de comment on aime ça, surtout quand il est frais. Donc, on mélange tout ça. Là, il est asséché un petit peu. Et voilà, la dernière partie, c'est de recouvrir le tout. Donc, ça va couler entre les craques, il n'y a pas de problème, c'est ça qu'on veut. Et la dernière touche, ça va être de rajouter de la cassonade sur le dessus. C'est bon. Alors, magie de la caméra, on envoie ça au four, puis on vous revient tout à l'heure. Hey! Ça sent bon. Tout à fait. Jonathan, je t'ai invité ici aujourd'hui aussi, question de parler de ta vie de kinoïte. Oui, ben c'est sûr, oui. Dans le fond, moi, ça fait plusieurs années que je suis kino, dans le fond. Pas que je suis kino, mais que je suis la cellule kino. Ouais. J'ai commencé quand Émile Olivier Desjean était et François Gamache qui étaient les animateurs, les organisateurs, puis je me suis joint à eux pour organiser ça. Puis maintenant, c'est moi qui anime et qui travaille là-dessus avec David Thériault. Parmi les différents kinos que tu as présentés, quelque chose que tu dis, ça, je suis fière de l'avoir réalisé? Ben, il y en a deux, en fait. Il y a la chanson de Fiona Apple, qui est Extraordinary Machine, qui m'a inspiré un peu le genre de vidéo loufoque. Je travaille beaucoup avec la musique, fait que j'aime ça m'inspirer d'une musique, puis... Je pense qu'elle ne sera pas prête. Puis t'as produit d'autres choses aussi? Oui, c'est ça, j'ai fait... mon premier, c'était Symphonie domestique, qui est... une sorte de musique faite à partir de boucles, de vidéos en boucle, de plein de sons que j'ai filmés chez moi. Et j'ai aussi produit Lucid Dreams avec Jean-François Normand, qui est un film... sur l'effet miroir. C'est ça, on a exploité l'effet miroir dans le fond et on a... Encore une fois, c'était juste filmer des choses chez moi, mais rendre ça intéressant. On a trouvé une ligne directrice en le faisant. Des projets autres que kino, Jonathan, ben, fait de la peinture. Oui, c'est ça. Cet été, je fais de l'impro. Je fais de la peinture aussi dans mes temps libres. Donc, prochainement, je vais peut-être avoir une expo. Là. Je suis en train d'accumuler des choses qui ont... Des nouvelles œuvres. C'est ça, puis qui vont dans un sens. Là. Okay. Je vais essayer de travailler plus dans ce sens-là, puis d'accumuler un bel ensemble. Oh, wow! C'est fou, hein? C'est vraiment excellent. Alors, pour continuer à suivre Jonathan, vous pouvez le voir aux soirées kino, aux soirées d'impro, ou encore, vous pouvez aller le rencontrer chez Tapis Saussier. Il vous vendra du tapis. Et bien, soyez de retour avec nous pour la prochaine kino-série Kinoa Rivière-du-Loup. Notre prochaine invité est Émile Olivier Desjean. Oh, ça sonne bien. Ah oui.